Voilà. Et après, tu iras donner un bain, pardon, à ta fille. Comment elle va? Crime depuis le temps. Bah écoute, elle va bien. Elle va bien. Un petit peu fatiguée de pas dormir la nuit, mais elle va bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mis de poubelle, mais il y a une poubelle dehors au pire. Hein. Bon, elle est loin, je te l'accorde. Je te l'accorde. Poubelle dehors, elle est quand même à l'autre bout du monde. Voilà. Mais bon. Tu vas jeter, laver la vaisselle et on a dit faire à manger. J'avais pas, tu t'avais pas demandé de faire une salade là? Comment ça se passe? Pourquoi tu m'écoutes pas, bordel? Après, je pourrais peut-être séparer un peu la cuisine. Il faudrait que je meuble au milieu là. Pour trouver des choses à mettre par ici. Non mais mange pas, mange pas, mange pas, mange pas. C'est bon, tu fais à manger parce que t'en as besoin pour le travail, mais toi t'as pas faim. Du coup, est-ce qu'elle a assez dormi? Ouais. Et toi, tu vas lui donner un bain. Décime s'écouter, mais ma chère jamais. Oui, bah écoute, j'essaye. Ah, ça m'énerve ce truc-là de ce programme qui me dit que. J'ai un programme qui veut pas s'enlever de Windows et du coup il arrête pas de me faire tududum, tududum. Allez, au bain. Allez, hop. Magnifique. Et voilà, super. Toi tu vas aux toilettes et puis après tu vas continuer de prendre hop faire se reproduire. On les vendra plus tard, hein, c'est pas très grave. Ouvrir. Et toi. Hop faire se reproduire. Allez, hop, tablette. On en est où là dans tes compétences? Faut qu'elle soit 5 partout pour pouvoir grandir. Donc, autant vous dire qu'il va falloir un peu cravacher là si on veut en faire un deuxième. Parce que j'aimerais bien en faire un deuxième quand même. Parce que voilà, mais pour en faire un deuxième, il faudrait déjà que la première pense à grandir un petit peu, quoi. Parce que. Autant dire que c'est pas gagné vu tous les points qui me manquent. Ouais. Et moi, je garde espoir. Un jour, mes Sims m'écouteront et feront ce que je leur dis. Ah, toi, tu peux aller manger, par contre. Et puis, tu t'ennuies, bah, tu vas écouter ta musique. Et tiens, faire se reproduire. Écouteur allumé. Baroque. Et tu vas finir ta toile. Oh, elle est tendue. Je vais suivre le live en pointillé, je crois. Ma box merde beaucoup trop. Ah merde, c'est con ça, les connexions un peu pourries. Je compatis. Allez. Du coup. Bon, on est pas mal. Enfin, on est pas mal. Disons que ça avance. Bon, là, je t'ai mis ta musique. Tu es en train de manger. Tu dois pouvoir. Toujours pas. Et toi, t'en es où là? Donc, il faut 7 en bricolage. On y est presque. Et 5 en jardinage. Bon, ça, on n'y est pas. Ça, on n'y est pas. Et tout ça pour pouvoir se construire un extérieur.
Encore des sous à dépenser. Bon. Écoutez, c'est bien, on a une pièce à vivre qui est meublée. Et encore, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Là, il manque plein de choses. Il faudra un tapis, il faudrait. Mais bon, il y a une télé. Une télé, il y a même une plante verte, quoi. Je veux dire. On est quand même dans le summum du luxe, là, les gars. C'est bon, tu veux bien venir? Non, toujours pas, hein? Tu veux toujours pas venir peindre? Oui, mais ça avance très bien. Merci, c'est gentil, Massilia. Elle veut pas peindre. Elle veut pas peindre. Elle chiante. Je vois que ça. Bah écoute, va te pendre, hein. J'ai que ça à te dire. Ça sert à rien. Tu sers à rien, quoi. Je crois que je suis passée niveau 7, non? Non, toujours 6, non? Toujours pas. Pour le boulot, c'est bon ou pas? Non, toujours pas non plus. Je vais lui prendre un bain de mousse, ouais. Je suis pas sûre qu'elle le mérite, hein, Jess, hein. Franchement, je suis pas. Ah, pour la détente, tu veux dire? Ça va la détendre. Ouais, d'accord. Attends, attends, elle est presque détendue là. Une minute. On va attendre une minute. Ouais, toujours tendue. Elle manque d'amour, hein. Ça me saoule. Vas-y, va prendre un bain de mousse, c'est bien parce que c'est toi. Hein. Et noie-toi, tiens. Étouffe-toi dans la mousse. C'est bon, il y a deux portes dans la chambre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a deux portes. C'est pas grave. Voilà. C'est pas une maison, c'est un labyrinthe. Alléluia, elle est détendue. Merci, Jess. C'est original, ouais, bah c'est. Tu sens le niveau de construction qui est quand même très très élevé, hein. Tu sens que j'ai une vraie maîtrise. Hein, comme on m'a dit, il paraît que j'ai du style. Ouais, j'ai une vraie grosse maîtrise de la construction. Moi, je mets deux portes par pièce. Oh, it's raining today. Hey, joueuse, très bien. Elle arrête de jouer, va peindre. Toi, pourquoi tu as faim? Mais mange! Tiens, mange l'assiette à ton père qui n'a pas fini. Hop. On peut pas être bon partout. Toi, tu fais des beaux gosses. Oui, ça, voilà. Ça, c'est mon domaine. Et ça, je maîtrise. Where's my umbrella? Oui, je vois qu'on a les mêmes références. Je pense exactement à ça. Et coucou Meryl. Je pensais exactement à Where is my umbrella? Du coup, elle mange. Ah, faire se reproduire, voilà. Du coup, on fait une tournée de reproduction. Ça va rapporter plein de pognon au bout d'un moment. Voilà. Donc, elle est heureuse, tout va bien, magnifique. Toi. Ah, t'es tendue parce que t'es pas sortie dehors. Écoute, la dernière fois que t'es sortie dehors, tu t'es fait enlever par des extraterrestres. Alors, on va éviter de sortir si tu veux. Hein, j'ai eu la peur de ma vie. Je me voyais déjà avec des triplets ouverts. Donc, on se détend. Ouais, on se détend. Ben, la toile est finie. Allez, fais une autre toile. Pense, c'est pour un nouveau lit. Oui! C'est-à-dire que pendant que le Père Noël était là, je l'envoyais faire à manger et je sais pas pourquoi, il a décidé de sortir en pleine nuit
Et j'ai eu mon premier enlèvement d'extraterrestre en 4 ans, parce que comme les Sims à moi, ils sortent jamais la nuit, je me fais jamais enlever. Et là, il s'est fait enlever. Dieu merci, il est revenu sans rien. Pas de polichinelle dans le tiroir, ou petit pain au four, mais on a frôlé la catastrophe. Qu'est-ce que t'as, toi, encore? Tu t'ennuies. Faut qu'on lui fasse une petite soeur ou un petit frère hein, pour l'occuper. Hein. Ouais, mais tout le monde est occupé là. Va jouer. Écoute. Tu vois, ta mère elle fait de l'argent et ton père il apprend des choses. On peut pas tout faire. On ne peut pas tout avoir. Eh, mine de rien, ça avance, hein. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, on dormait sur un banc dans un parc. Ouais, pas mal. Bon, allez, le premier qui finit s'occupe de la petite, là, parce que... Là, je pense que ça va être toi, Dina. Ouais, c'est Dina. Vendre... Bon, arrête. Tiens, t'as qu'à lire une liste. Oui, faut qu'on achète un livre pour Bambin. Ok. Lire pour le Bambin. Voilà. Ça va la détendre, ça va faire bosser son imagination. Premier, il va nous coûter le lit. J'avais dit que j'achèterais pas des trucs au fur et à mesure, puis au final. Au final, je respecte pas ce que je dis. Alors, on va aller taper dans les lits chers, hein, parce que... Énergie 6, énergie 8, énergie... ça non. Et ben... Moi, j'ai bien envie de prendre le lit maléfique. Donc, il faut 8000. Ok, nickel. Pas de soucis. Allez, Dina, tu sais ce qu'il te reste à faire. Désolée pour le ding-ding. J'en ai toujours pas vu depuis que je joue au Sims ce soit 13 ans. Bah écoute, j'en avais pas vu jusque-là. Voilà, tu m'avais pas dit que tu devais faire la réno de la maison hors ligne. Bah c'est ce que je l'ai fait. Je l'ai fait hors ligne. Tout ça, c'était hors ligne. J'ai fait la réno autant que je pouvais, hein, dans les mesures de mes moyens. Donc en fait, j'ai fait que la chambre et le salon, quoi. Et encore, j'ai pas mis trop de déco parce que j'avais plus de souffle. J'ai créé des pièces, j'ai fait les toits, tout ça. Donc, je l'ai fait en ligne, je l'ai filmé quand même. Je sais pas si je vais la poster, mais je l'ai filmé. Ah, quand même, ça ressemble plus au bunker. Regarde, il y a même de la tapisserie. Tu rends compte? De la tapisserie, quoi. Bon, il n'y a pas de déco. Il n'y a pas de déco, il n'y a pas de tableau. Mais il y a de la tapisserie et du parquet, quoi. Attends, c'est vrai, il y a un plancher. Ah bah attends. Il y a une table, des chaises, une télé. Il y a une télé. Attends, tu peux pas non plus. C'est bon, tu lui as lu l'histoire, elle est contente ou pas? Pas vraiment, non. Tu vas pouvoir y retourner. Allez, va jouer. Généralement, ça fait bien remonter, ça. Ça manque toujours de fenêtres. Ben, en fait, j'ai fait une grosse baie vitrée par là. Et du coup, j'ai pas mis de fenêtre par ici. Je sais pas. Je me tâtais. J'ai pas fini encore. De toute façon, hein, il manque encore des sous. Du coup, je sais pas. Je peux pas tout avoir. De toute façon, j'avais plus d'argent. J'ai aussi un rideau là qui reste apparent, alors je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas encore nickel, hein. Vas-y, amuse-toi, ça va lui faire. Ça devrait lui faire remonter. Voilà, nickel. Il y a un bug là. Je crois qu'elle bug, Dina. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est possédée en fait.
C'est l'exorciste. Sors de ce corps, démon. Elle est possédée. Il va falloir l'exorciser, quoi. C'est un peu chelou, quand même. Bon, Marquée, elle est contente, c'est l'essentiel. Ça expliquerait beaucoup de choses, ça m'étonnerait pas. Elle est possédée. Du coup, tu peux peut-être lui apprendre à parler à cet enfant, puisque t'es là. Allez, vas-y, apprends-lui à parler. Toi, tu vas encore préparer un repas. Tempura, tiens, j'aime bien le tempura. Même ses bras, ça fait peur, hein, c'est ça. C'est ça. J'aime bien lui apprendre à parler en ayant toujours les écouteurs sur les oreilles, c'est pratique. L'éducation selon Dina Caliente. Je vois que la technique des écouteurs est toujours présente, tout à fait. On n'est pas toujours dispo pour le crac-crac, il est où? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est perdu. À la base, il était parti préparer à manger. Et puis il est parti se promener. Je sais pas pourquoi, mais... ça va pas mieux, hein, malgré la Zumba. Il retrouve pas sa taille de guêpe, hein. La maison est trop grande, ouais, c'est ça. Il n'y a plus l'habitude. Il est où mon banc? Moi, si avec ça, on va te mettre un banc dehors et puis tu vas te démerder, hein. On va lui faire un bunker à l'extérieur, ce sera que pour lui. Demain, nos captures... Ouais, demain, on récupère les captures d'écran, ça va être sympa. La mise à jour, je pense, va être très sympathique. Pourquoi j'ai fait pause? On sait pas. L'espace de stockage de votre ordinateur est insuffisant. Ah. Oui, ça, c'est un peu craignos. Dans le sens où je suis en train d'enregistrer en même temps. Tu refais... Oui, je pense que demain, je vais héberger le live des Sims, comme je fais d'habitude. Parce que c'est plus sympa, comme ça on peut discuter tous ensemble en français. Attendez, juste au moins d'une seconde, je vide ma corbeille pour faire un petit peu de place. Sinon, je vais pas pouvoir enregistrer la fin du live. Ce serait quand même dommage. Ce PC... Ouh, c'est chaud les marrons, là. Attendez, je fais pause une seconde, excusez-moi. Hop, vidéo. Deux secondes, parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Hop, ça devrait aller. Hop, couper et on va les foutre ailleurs. Nouveau. Excusez-moi, mais sinon je vais avoir un problème, je vais pas pouvoir finir le live. Coller. Voilà, ça devrait libérer de l'espace rapidos. Et me permettre de finir d'enregistrer. Mais je vérifie juste que ça marche. Sinon, si je peux pas finir, on est pas bien. Et coucou Oni. Non, en fait, c'est juste que comme je fais beaucoup de vidéos, ça stocke sur le disque C. J'ai pas eu le temps de tout mettre sur mon disque dur externe. Et du coup, il me reste 80 mégas sur mon disque dur. Le truc, il va exploser. Voilà, 3 gigas, ça va aller pour finir. Donc du coup j'ai tout transféré sur mon deuxième disque, excusez-moi, mais sinon j'aurais pas pu finir d'enregistrer. Du coup, attendez, je remets tout en place, excusez-moi pour cette petite interruption des programmes. Mais 80 mégas, ça commence à devenir tendu là. Donc là c'est bon, normalement
Je viens de libérer 3, je suis en train de libérer 11 gigas, ça devrait aller. Et il faut que je fasse du ménage et que je mette toutes mes vidéos sur mon disque dur externe. Bon, du coup, excusez-nous, on reprend. Donc l'autre a fini de s'occuper de sa fille. Pourquoi est-ce... Ça y est, maintenant elle a sommeil. Elle est prise. Elle me saoule, elle aussi, c'est bien la fille de sa mère. Pas dire. Et hop. Toi, tu retournes bosser. Je te rappelle que le lit, il coûte 8 000. Et il n'y a pas un jour de promo, là? C'est quoi, ça? Journée des farces. Non, bah, il n'y a pas de jour de promo. Donc, il est à 8 000, le lit. Donc, allez, go. Et toi, qu'est-ce que fais-tu? Que fais-tu? T'en es où? Terminé. Ok, magnifique. Tu travailles dans 16 heures. Parfait, tu peux retourner étudier le bricolage. Voilà. C'est parti. En fait, il n'y avait pas besoin de mettre le trait de caractère, c'est déjà dans son ADN, c'est ça. C'est ça, elle est juste pénible comme sa mère. Elle aussi, elle est là pour me pourrir le challenge. Hop, j'ai dit c'est bon. Toi aussi, c'est bon là. Voilà. Oh là là. Depuis quand Katrina Caliente s'appelle Katrina Flex? En fait, j'ai le MC Command Center d'installer et je l'ai programmé pour qu'il fasse des. Il s'occupe de tous les PNJ et les Sims avec lesquels je joue pas. Donc il les fait aléatoirement, il me les marie et il fait des enfants. Donc elle a dû épouser Marcus Flex, très certainement. Et c'est pour ça qu'elle est devenue Katrina Flex. J'ai pas été vérifiée, mais je suppose qu'elle a épousé Marcus. C'est Marcus? Oui, c'est Marcus, je crois. Tu vas aux toilettes et tu vas au dodo. Et toi, tu finis pas. Pourquoi une petite... Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Hein, moyenne, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur moyenne, je me suis trompée. C'est ça qu'il faudrait que j'installe sur mon PC. J'en ai marre de gérer manuellement les autres sites. Ah ouais, non, mais moi, ça... Alors, j'ai pas beaucoup de modes installés, mais celui-là, il quitte jamais mon dossier. Hein. Comme ça, il fait des bébés. Quand j'ai des grosses familles, que je fais déménager les enfants, bah, au moins, j'ai pas à m'en occuper. Alors, des fois, tu tombes pas non plus sur le top niveau génétique, mais au moins, il s'occupe tout seul. Allez, vendre. Allez, 3 000 le lit, 3 000. 3 000 le lit, puis après, il faut faire la salle de bain. C'est ça. Le MC, c'est la vie, j'adore ce mode. Ah, mais moi aussi, hein. Franchement, je pourrais pas m'en passer, je crois. Hein. Quand il y a des mises à jour et que je peux pas l'installer tout de suite, je suis malheureuse. Hein. C'est moi où je trouve que depuis... Enfin, ça manque de lumière. Mais je crois que j'avais un mode aussi pour ça. Parce que je trouve que mes Sims, ils sont tout foncés. Au moins, ça te donne du choix quand tu dois trouver des partenaires à tes Sims. Moi, je les inclus manuellement. Oui, ben, voilà, ça permet qu'ils fassent des enfants. Ça renouvelle un peu la population aussi. Parce que sinon, c'est pas renouvelé, quoi. Donc, ouais, moi, je... J'utilise très fréquemment le MC commande. Attendez, je refais un petit peu de place là vite fait parce que ça me bouffe beaucoup de place les vidéos. Hop. Voilà. J'ai jamais installé de mod et encore moins le MC, c'est vraiment bien. J'ai peur que ça fasse bug tout mon jeu. Alors, c'est toujours le risque avec les mods, hein. Il n'y a pas de risque zéro, hein. Mais jusqu'à présent, moi j'ai pas été en kikiné. Et puis, ça dépend si tu t'en passes et que tu fais ça très bien. Bon, ben, tu t'as pas besoin de le prendre, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que il facilite quand même drôlement la vie, je trouve. Moi, je pourrais franchement pas m'en passer, mais après. Après, c'est moi, quoi. Hein. Après, c'est moi.
C'est sympa la petite musique à l'écoute. C'est mignon. Bon, du coup, tira. Ah, ça, c'est fini. Putain, à niveau 9, elle fait toujours pas de chef-d'œuvre, quoi. Je vous dis qu'elle m'en veut. Toi, t'en es où? Allez, finis-moi cette barre là de comment ça s'appelle? De bricolage là. T'en es à combien? 73. Bah, ce sera pas pour ce soir, je crois. Je crois que ça va attendre que tu rentres du travail. Hein. Allez, oui. Bon, mais il reste plus que toi, Dina. Allez, finis ton tableau, puis après, tu as le droit d'aller manger quand même. Je sais bien que t'es une esclave, mais quand même. On va pas te laisser mourir de faim. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais. Mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt au final. J'ai besoin de toi pour peindre, donc. Donc voilà. Bon, alors normalement, j'ai configuré. Alors, j'ai essayé de mettre, parce que depuis quelques temps, je stream en même temps sur Twitch, comme d'habitude, et en même temps aussi sur YouTube. Donc, comme j'avais pas du tout une overlay qui était destinée à YouTube, j'ai voulu rajouter, ben, pareil, une barre d'abonnés. Moi, bon, j'ai. Pardon, ma voix qui se bat. J'ai voulu réserver. J'ai voulu faire une petite barre pour les abonnés YouTube, etc. Et puis en fait, bah, je peux pas. Parce que si je fais une barre pour les abonnés YouTube, ça fait disparaître ma barre d'abonnés Twitch. Donc c'est dommage. Du coup, la seule chose que j'ai pu rajouter, c'est une petite alerte. Normalement, si des gens s'abonnent pendant le live, ça fait une petite animation comme sur Twitch. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester jusqu'à présent. On verra bien le jour où quelqu'un s'abonnera en live si ça marche ou pas. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Allez, va te coucher là. Comme ça, tout le monde dort et on avance plus vite. Bon, 3 700, c'est pas mal. À quelle heure tu bosses, toi? Dans 7 heures. Pouh, on est large. Et t'as fini de dormir. Ah bah bon. Eh bah allez, let's go, continue. Oh putain. Voilà, tu lui fais prendre une fois un bain de mousse. Et maintenant c'est devenu systématique. Tous les jours, elle va nous péter sa crise pour avoir son bain de mousse. C'est quand même. Je ne te félicite pas, Dina. Toujours mes murs en placo, ça me fait de la peine. Allez, on a un lit et de la. Ah oui, j'ai aussi mis de la tapisserie dans la chambre des parents, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique ce dégradé. Attendez. Agathe a faim. Oui, bah viens manger, viens manger. Viens ici. Une portion. Toi, c'est bon là, ça va mieux? Hop, ben, grande pole classique. Ah, bah ça, oui, elle prend goût au luxe, hein. Ça, elle a épousé un SDF, mais maintenant elle s'emballe, hein. Elle s'emballe. C'est avec quel kit-pack que tu as le papier peint dégradé? Attends, alors je ne sais plus. Je vais te le dire tout de suite. Bah, c'est avec le jeu d'origine, a priori. C'est coucher de soleil imaginaire. En fait, t'as plusieurs. Tu vois, c'est. C'est celui-là. T'as plusieurs dégradés.
Bah visiblement il n'y a pas de petits machins, donc je suppose que c'est dans le jeu de base. Je suppose. Moi aussi des fois je découvre des choses qui sont là depuis 4 ans et que j'avais jamais vu. Oh c'est le jour de l'an. Oh bah je sais pas si on va le fêter celui-là. Oh mais ça m'arrive tout le temps moi de dire ah oh, c'est sympa, c'est nouveau. Non, ça fait 4 ans que c'est là. D'accord. Il est donc 15h. Je sais pas ce que tu es en train d'apprendre comme compétence en mangeant. Le pot, bien sûr. Bien sûr. Tu es en train de faire pipi sur le canapé ou. Ou c'est moi? Bon, bah là, on va finir de bosser ses compétences. Il manque donc pas beaucoup. 44% pour la communication. Et puis après, plein de points dans les trois autres. Comment on a tendance à mettre tout le temps les mêmes. Comme, oui, bah ça, c'est sûr. Moi, je vous dis, ça m'arrive souvent quand il y a. Genre quand ils font des lives sur des add-ons ou des choses comme ça, je me dis ah oh, c'est super sympa le nouveau machin, puis on me dit non mais ça y était déjà ça. Ah bon, ok. Et salut lifestyle. Oui c'est le papier peint pour la chambre en bain dans le jeu de base. Ah ouais non mais c'est comme quoi. Comme quoi on découvre. Oh mon Dieu! Applaudissements pour Dina, elle a fait un chef-d'œuvre. Bravo. Eh ben, il était temps, hein. Allez, tu as presque encore un et ils vont pouvoir s'acheter le lit. Allez, go. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, tu vas en prendre des restes. Travaille dans combien de temps? Dans 4 heures, on va se détendre. Tu prends des restes, tu vas aller faire un petit peu de Zumba. En caleçon, ça va être sympa. T'es pas prêt d'arriver à remplir toutes les compétences de la petite. Sois pas négative comme ça. À part les garder jusqu'à la majorité non plus. À bien finir par grandir un jour. Ah, tu lui dis de manger, il préfère aller faire la Zumba. J'avais dit en caleçon, la soirée Chippendale, tout ça, non? Bon bah. Qu'est-ce que j'aime la lumière, quoi. La luminosité, elle est juste. Enfin, à travers les fenêtres, c'est juste trop beau. Quel est ton pack d'extension préféré? Alors, sans aucune hésitation, saison. C'est. Pour moi, c'est celui qui arrive en number one, sans aucune. Mais alors, aucune discussion possible pour moi. Travailler mon mémoire ou garder ton live? Que je peux voir pour une fois, telle est la question. Ah, Noémie, ben ça, c'est toi qui vois. Est-ce que tu vas pouvoir travailler ton mémoire après ou pas? J'ai pas envie de te perturber non plus dans tes obligations. T'es obligé d'attendre de remplir toutes les compétences ou tu peux attendre avec. En fait, le vieillissement des Sims s'est arrêté. Donc, elle ne grandira jamais toute seule et je suis obligée de remplir toutes ces barres de compétences pour pouvoir la faire grandir. Non mais prends pas un bain, tu vas prendre une douche comme il faut après. Enlever la nourriture gâtée.